Salut tout le monde, c'est Golden Maxi. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Là, on va critiquer le Boozy Tournament. Ça va pas être des critiques trop compliquées et tout. Non, je vais juste vous dire ce que moi j'en pense et tout. C'est mon point de vue. Après, c'est pas votre point de vue. Bon, comme on s'en fout du chronomètre. Comme je vais faire le pire temps du monde. Cette étape, elle est originale. Triple edit. Putain, c'est sûr. Là où ça va. Cette étape, moi, je mets très bien un petit 9 sur 10, comme la perfection n'existe pas. Désolé, hein, le bousin. Y'a que toi qui es parfait, hein, mais bon. L'épreuve de la frite. Oui, c'est là, on a déjà beaucoup de fois entendu parler. Elle est rageante, hein, mais après, cette étape. Vous voyez, moi j'arrive pas et tout, je suis une grosse merde. Mais les joueurs pros, ils niquent cette étape. Regardez. Putain, ah. Sur cette étape. Allez, 7 sur 10. L'étape de l'extend. En fait, moi j'ai pas trop extend, hein, désolé. On s'en bat les couilles, on va faire comme ça. Voilà. L'étape de l'extent. Ah, je sais pas. Vraiment, là, c'est solide quand même. Je mettrai. Tout. 8 sur 10. Allez, quand même. On va être gentil. Cette étape-là. Ça va. Elle passe, elle passe. Je lui mettrai un 9. Un 9. Ah, cette étape-là, elle est chiante quand même. J'aime pas faire ça, moi. En fait, pour faire cette étape-là, quoi, il faut être. Il faut bien savoir bouger ton joystick et tout quand on est joueur manette. Ou ta souris quand t'es joueur clavier souris, quoi. Le champignon. Attendez, j'ai pas dit cette note. Allez, je mettrai 8,5. Cette étape-là. Oui. C'est tu glisses et ben voilà, donc je lui mettrai 7,5. Allez, oh là, cette étape là j'arriverai jamais à la one shot, hein, bien sûr. Regardez, je vais rager, je pense. Voilà, je l'ai fait. Cette étape là, elle est quand même bonne, donc 9,5, même si elle peut faire rager les gens. Aïe. Après, l'étape des titans 6 et tout, ça va. Il y a différentes méthodes pour ça, mais bon. Moi, j'utilise plus celle-là. Je trouve que c'est original, qu'il y a des pièges et tout. Tu tchat. En fait, c'est genre un bait, tu vois. Cette étape là, je lui mettrais un. Allez. Ah, je sais pas. Je sais pas, j'aime bien faire ça. Cette étape, je lui mettrai. Un 9. Allez, un 9. C'est dommage que là, il n'y a pas dit 90 comme ça pourrait nous entraîner, tu vois, comme ça. Mais après, ouais, c'est vrai qu'on profite pas du boost, comme il a dit. Et moi, j'ai une trop grande sensi pour ça. Mais après, ça peut être bien pour ceux qui font vraiment les 90 degrés, tu vois. Là où ils s'entraînent vraiment. Aïe. Vous savez, là, je suis une grosse merde. On va faire comme ça, hein, ça va être plus simple. Cette étape. Attendez, d'abord, un 7. 7, 7 pour cette étape. Cette étape, jamais je la one-shotterai, tu vois. Mais après, elle est bien. Quand tu la one shot, tu te sens frais en fait. Donc, ,5, moi je dis. Après, c'est mon avis, tu vois. Après, y a des gens, ils font comme ça.
Il y a des gens, ils cassent. Ah bah merde. Après, ici, il y a le casse du Tchikadi, donc pas trop le faire. Et désolé si je bégaye trop, en fait. Désolé. Le bouseux, si tu regardes cette vidéo, tu fais un commentaire, je mets ton code créateur pendant toute la vie. Même si j'en ai un, je m'en bats les couilles, je mets ton code créateur. Ok, beau gosse. Cette étape, écrire LOL et tout, c'est. T'as jamais vu ça en fait sur une map edit. Donc là, peut-être que ça frôle la perfection. Allez, moi je mets un petit 10. Allez, ça frôle la perfection. Après, c'est mon avis, hein, comme je l'ai dit avant de commencer. Putain, ah, cette étape-là, je l'aime pas. Avant de commencer la vidéo, après, il y en a qui mettraient un 1 ou quoi. J'arrive pas. Alors que cette étape, elle est facile pour les joueurs pro, je sais pas. Attendez, cette étape, je lui mettrai un. Six. Allez, 6. Cette étape originale et tout. Parfois il peut se passer ça pour les joueurs manettes comme on était trop du cul. Allez. T8. Cette étape qui est plus compliquée. Bah, allez, on s'en bat les couilles en fait de la faire. On n'est pas là pour faire le world record. Cette étape, même si moi, clairement, je la maîtrise pas. Hein. Mais elle mérite quand même un 8 comme c'est original et tout. L'étape du petit pas. Faire une pause. L'étape du jetpack, c'est bon, original et tout. Putain. Ah mais et c'est quoi ça? Le bouseux, si tu regardes, en fait, je suis trop fort et tout, tu vois, je fais exprès. Je fais exprès de perdre du temps, tu vois, juste pour. L'étape du checkpack, je lui mettrai un petit 7. 7, 7. L'étape des Silays que je rage, hein, parfois, comme ça casse la contre et tout, donc ça me casse les couilles. Et là, ben. Je peux rager. L'étape du. Non, c'est du silex, c'est du jetpack, non? Allez, on s'en fout, ok. L'étape du silex, je lui mettrai un 8,5. Cette étape là où ben, tu casses un truc, hein, et tu casses une maison au-dessus. Allez. Moi, je donnerais. Comme ce stylet, ça va. Un 9, un 9, un 9. Ici, là où tu dois éditer comme ça, il a mis ça pour ne pas tricher. Ouais, ça je trouve vraiment que c'est bien. Le bouseux, si tu regardes cette vidéo, je t'aime. Ok. Et je comprends pas pourquoi tu t'es mis chauve. Hein. Ça t'allait super bien, ta coupe. Ici. Soit tu peux faire comme ça, soit comme ça. Mais moi, je suis un gros bambi, donc je vais faire comme ça, donc faire ma gueule. Et j'arrive quand même à mourir. Non, allez, cette étape. Un petit 10. Comme t'as deux possibilités, là, c'est parfait et tout. Si t'arrives à one shot ça, t'es vraiment le plus fort. Et après, hop là, t'arrives ici. Et après, bah, le coup du tournament. Après, ouais, j'en ai pas parlé d'ici, mais ouais, c'est super beau. Hein. Pour la déco, je donnerais un petit 8, hein, comme une petite crotte là, qui ressemble à ma gueule, clairement. Et tu vois, vous y tournament. Et là, ouais, les cash prizes et tout. Ouais.
Bon, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Moi, je vais commencer à monter. Vous, j'espère que vous passerez une... que vous passez une bonne journée ou une bonne nuit, non? Donc, ciao les gars!